Salut tout le monde! Salut à tous! C'était quoi ça? C'était un salut tout le monde! Salut tout le monde! En fait, on est un peu sous crack, oui. Comme les développeurs de ce jeu. Bah oui. Donc, Jack and Daxter, The Lost Frontier, un jeu développé sur PSP et sur PS2 en même temps, qui a été annoncé le 1er avril 2009. Et on a tous cru que c'était une grosse blague et on aurait préféré que ça en soit une. Mais. Bref! CRL, c'est yo-yo, c'est gag. Quand même. Parce qu'imaginez qu'on a appris qu'un Jack est développé sur PS2 et PSP en 2009 et pas par Naughty Dog. On était super content, sauf que là, malheureusement, on est tombé sur une véritable bouse. Bouse technique, bouse graphique, bouse scénaristique aussi. Regardez l'animation de Jack. Et donc, pour ça, on peut lui attribuer la note de. On dira ça tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, les décors sont vraiment vides. C'est du couloir. La plupart du temps, c'est du couloir. C'est même du couloir tout le temps. Y a pas de monde. Donc, et encore si c'était beau, regardez, ça pourrait. Il y a des effets vidéo où il y a de la pluie et tout. C'est vachement bien. Ça, ils ont essayé de retranscrire la même chose que dans les Jack. Non mais et encore, tu vois, si c'était beau, l'aspect couloir sera oublié. Mais bon. Donc on oublie le monde ouvert dans ce Jack. Voilà. Il n'y a aucun monde ouvert. Enfin si, peut-être pendant les phases de vaisseau, en fait, vous allez arriver sur, vous aurez les choix ou pour atteindre d'autres des niveaux où il y a des couloirs, etc. Il n'y a pas véritablement de monde ouvert. Il y a plusieurs petits mondes ouverts, mais c'est tout. On vous montrera ça tout à l'heure. Donc là, on peut voir une scène de piratage, c'est ça? Oui, alors vous allez détruire un boîtier, etc. C'est passionnant. Vous en avez une tonne pendant tout le jeu. Jusqu'à la fin du jeu, vous en aurez. C'est passionnant. C'est hyper gavant, franchement. Donc voilà, peut-être le point positif, c'est qu'ils ont réutilisé l'écho. Les échos de couleurs qui existaient dans le premier opus. Ah oui, donc les échos verts. Les échos verts, bleu, jaune et rouge. Et qu'ils ont réutilisé également les armes d'origine. Donc ici vous avez le fusil à pompe. Fusil à laser, je pense. Mais je pense qu'on peut le dire. Comme ils le disent dans la cinématique, c'est un spoil ou pas? C'est pas tellement un spoil, c'est la troisième cinématique du jeu. Alors ils ont découvert comment. On peut créer de nouvelles couleurs d'écho. What the fuck? Alors, oui, je vais baisser le son quand même parce que sinon ça va faire mal aux oreilles. Mais alors, franchement, voilà. Déjà, le scénario il est quand même. Enfin, il est mal construit. Alors, regardez les ennemis qui arrivent, genre. On se balade. Voilà, c'est ça. Bon, moi. Donc, faut savoir que l'écho à la base c'est un élément. C'est un élément, la terre. C'est un des quatre éléments. Alors, l'écho, si on peut créer de nouveaux échos, c'est comme sinon on pouvait créer du vent. Voilà. Ou je sais pas. T'es trop fort. Moi il m'arrive des fois de mettre des vents yo-yo, mais c'est pas pareil. Mais non. C'est un micro, je me barre. Non, franchement, ce qu'il faut souligner aussi, c'est. Enfin voilà, le scénario il est hyper mal construit. Moi déjà j'ai joué au jeu en anglais. Et habituellement les jeux en anglais j'ai aucun problème. J'ai joué avec les sous-titres, etc. Mais déjà les phases de gameplay elles sont tellement longues et chiantes et embêtantes et enfin tout ce que vous voulez. Que, au final, bah, enfin, voilà, c'est ça. Meurs. J'ai pas le choix. Moi aussi. Alors là, vous voyez la caméra s'est centrée par là, alors que j'ai déjà atteint l'objectif, donc voilà. Petit clin d'œil à rien du tout. Et je le vois même, je ne sais pas de. Donc, qu'est-ce que tu disais avant? On peut mourir dans les connoirs. Voilà, donc en fait, les connoirs. Ouais, bof. Donc l'écho noir en fait n'aura plus aucun rôle dans le jeu. C'est-à-dire que ça va juste servir pour acheter des, je sais pas, enfin, je pense que ça sert pour acheter des améliorations d'armes ou des choses comme ça. Ouais, l'écho noir qu'on ramasse. Là. Voilà, l'écho noir que tu ramasses sur les ennemis, ça va te servir. Voilà, c'est handicap en bas à gauche de l'écran. Ça va vous servir à améliorer des armes et enfin acheter des upgrades. Par exemple là ici, je vais pouvoir faire la danseuse étoile avec une superbe robe bleue. Avec de l'écho bleu en fait. L'écho bleu qui, on rappelle, n'existe pas. Si elle existe. C'est l'énergie de rapidité dans le jeu. Oui. Ah oui, merde, oula. Alors, bon, tu vas y toucher. Et donc, justement, bah, le truc c'est que l'écho noir n'aura plus aucun rôle. Jack ne peut plus se transformer en Dark Jack, ni en Light Jack non plus. Donc voilà, c'est. Pourtant, Light Jack, c'est. Ça a été. Oui. Salut les potes. Donc Jack et Light Jack sont oubliés quoi, c'est horrible.
T'as pas d'autres armes? Si, il y a d'autres armes. Alors, un point faible sur les armes, il y a beaucoup moins de munitions. Alors, vous avez très peu de munitions, effectivement. Et vous ne pouvez pas tirer d'ailleurs dans le bouclier, ce qu'il faut souligner. Et la vie va passer, va vraiment défiler à une vitesse vraiment incroyable. Okay, le bouclier était 100 fois plus beau dans le 2-3. Ouais, c'est vrai qu'il était beaucoup plus géré. Enfin, je sais pas comment ils ont réussi à nous pondre une bousque pareille, mais voilà. C'est une déception immense pour tout le monde. Bah, c'est une déception parce que c'est une déception graphique, une déception au niveau du gameplay parce que le jeu est quand même injouable. Vous allez être obligé de jouer avec le joystick. Ouais, comment on fait pour tirer? Et pour tirer d'ailleurs, vous allez appuyer sur triangle, ce qui est complètement con. Ça, c'est voilà. Impressionnant. Alors, je vais vous montrer rapidement les différents pouvoirs que vous avez à votre disposition. Donc, comme vous pouvez voir ici, vous avez des petites boules que vous pouvez lancer. Ouais, ça c'est sympa. Hein. Voilà, vous voulez tirer, ça détruit des éléments du décor, machin truc. Et parfois ça reste bloqué. Il y a beaucoup de. Des fois ça reste bloqué aussi. Et là, ici, vous avez aussi des. Enfin, créateurs de plateforme. Donc, quand vous n'êtes pas sur la plateforme de création, bah, vous ne pouvez pas créer de plateforme pour vous déplacer. Bravo, donc, c'est voilà. Fin. Heureusement qu'il y a des checkpoints assez réguliers, mais pas tellement. Enfin, il y en a peut-être 2-3 par niveau. Autant mais... que dans les anciens Jack. Donc voilà, il y en a presque autant que dans Jack 2, en fait. Mais le problème, c'est que Jack 2, encore, il était fun. Ouais. Voilà, alors que ce jeu-là est une véritable torture du début à la fin, en fait. Et je vais juste revenir sur le scénario, moi j'ai rien compris. Le jeu, j'y ai joué en anglais comme je disais tout à l'heure avec des sous-titres. J'ai rien compris. Il y a deux personnages qui se ressemblent, c'est des frères apparemment. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, c'est impossible de faire la distinction. C'est impossible de faire la distinction entre les deux. Il y a un frère qui est gentil, un frère qui est méchant, voilà, je suppose. Évidemment. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et donc voilà, au niveau de l'histoire, c'est mal construit. Enfin voilà, Dark Daxter, il apparaît. Dark Daxter, mais alors voilà. Ça, c'est la plus grosse connerie, je pense que. C'est la pire idée que j'ai pu avoir. Ouais. Dark Daxter, quoi. Daxter, bon bah voilà, c'est la veloutre. Là, déjà qu'à l'origine, il était transformé par les Connoirs. Et que les Connoirs habituellement ça le tuait, et bah là non ça va, enfin les Connoirs a réussi à le transformer en une bestiole qui évidemment est immonde. Donc voilà. Autre côté, bah Jack, voilà. Donc là on pourra pas montrer Dark Daxter, je pense qu'on a déjà fait les frais avec les vidéos de gameplay qu'il y a sur YouTube. Mais et là on vous montre une phase de gameplay passionnante, fun et bien conçu par High Impact Game. High Impact. Entend, ouais. Les coups jaunes, c'est exactement la même que dans le 1, quoi, c'est sympa. Et voilà, mais je sais pas, c'est le jeu est vraiment limité, quoi. Vous avez peu de munitions, vous avez peu de vie, vous avez peu de pouvoir. Fin... J'avoue, les munitions elles partent à une vitesse. Voilà, j'ai déjà plus de munitions. Et quand vous mourrez, vous n'allez pas ravoir des munitions complètes. Et donc, vous allez... faut battre les ennemis au corps à corps. Voilà. En fait, le principe des checkpoints, à l'origine, c'est de créer un point dans le temps pour pouvoir avoir le même nombre de munitions vous allez reprendre quand vous allez mourir et reprendre la partie. De caméra, là. Un problème de caméra, il y en a constamment. Donc, voilà. Ça aussi, c'est intéressant à souligner. Il y a aussi constamment des phases en QTE. Ça, c'est hyper gavant. Elles sont simples à réaliser. Non, parce que vous avez genre. On l'a vu tout à l'heure, hein, ça se joue au profil de la. Non, mais ça. Non, il n'y a pas que ça, il y a les phases en QTE où vous allez appuyer genre sur 3-4 touches aléatoires. Ce qui est hyper gavant, et voilà. Ah ouais, le jeu a l'air bien dur et surtout mal géré. Le jeu est vraiment dur. C'est tout que c'est passé. Et le jeu, s'il était dur et passionnant, là j'aurais pas pété un câble, mais. Le jeu il est quand même. Enfin, il est pas. Voilà. Mais le gros problème, c'est pour tirer ces triangles. Avant, on pouvait. Enfin, quand c'était R1. Enfin, je sais pas. Sur Ratchet & Clank, par exemple, c'était une autre touche, quoi. Enfin, c'était. C'était R. C'était. Non, R, c'était pour la caméra. Oui, c'était rond pour tirer. C'était mieux foutu. Là, triangle, je sais pas. Triangle, c'est pas une touche commune. C'est possible de sauter et tirer en même temps, du coup. Vous avez aussi la possibilité de jouer avec le pad analogique. Donc là, vous allez retrouver le menu qui lag. Enfin, qui a un problème de framerate. Vous avez des problèmes. Il y a tellement de trucs à l'écran, ça se comprend. Hein, ça... oui, d'ailleurs, en parlant des trucs à l'écran, il n'y a rien. Le jeu, il est vide, en fait. Et c'est hyper. Enfin, voilà. Bah, c'est frustrant, quoi. Ils ont réussi à tuer. Je ne veux même pas en parler. Si ! Attends, on peut dire que ce qui est pas mal, s'ils ont réussi quand même à tuer une licence, une très bonne trilogie en un seul jeu. Et ça. Il faut le souligner quand même. Bravo à Impact Games. Voilà. Impact Games.
Et voilà. Donc, pour ça, on les félicite. Rapidement, je censurerai ça. je vais montrer rapidement une cinématique pour vous montrer le niveau de la que les cinématiques n'ont absolument pas. Ils ne se sont pas du tout améliorés au niveau des cinématiques. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez deux personnages. Déjà, c'est hyper lissé et trop moche au niveau des textures. Il n'est pas assez polygone sur les. Enfin, voilà, c'est hyper mal géré. Vous avez deux personnages qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, quoi. Et vous êtes impossible, c'est impossible de suivre le scénario. Et d'ailleurs, au niveau des doublages, ils n'ont pas gardé le doubleur de Daxter, ils n'ont pas gardé celui de Jack. Le seul que vous allez retrouver, c'est celui de Kera. Et dans la version anglaise, le seul que vous allez retrouver, c'est celui de Daxter. Voilà. Ce qui est quand même assez immonde, et je trouve que c'est un gros point négatif. Donc, fais courir à Jack en. Enfin, là, c'est des fois, c'est au niveau du joystick, c'est-à-dire que vous allez. Il casse son flingue, c'est trop bizarre. Enfin, j'ai l'impression qu'il est complètement penché qu'il va tomber avec. Enfin, les animations, elles sont. Ouais, horrible. Tiens, il y a des munitions, là ? Oui, il y en a régulièrement, mais elles sont tellement peu visibles que vous n'allez pas les récupérer. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir tout de suite et on va repasser à un autre point du gameplay assez important qui est le mode de vol. Donc, à tout de suite. Voici les phases de vaisseau. Ouais. Voilà, donc là je ne contrôle absolument rien, hein. Juste comme ça. C'est vrai ? Ouais. Alors, voilà, ça c'est le mode tutoriel du vaisseau, donc je vais pouvoir montrer les différentes commandes. Donc, en gros, vous avez. Alors voilà. Bah, j'avoue qu'au niveau texture là. Au niveau même, des graphismes, c'est hyper mal géré. En fait, vous allez avoir 2-3 mondes ouverts durant lesquels. Enfin, voilà. C'est tellement plus rapide et tellement pas fun. Il me semble qu'il y a une touche pour accélérer. Voilà, c'est la touche croix. Mais le jeu est quand même assez mou. Non, mais sinon. Que dans le scène d'action que tu montrais tout à l'heure, ça avait l'air hyper mou alors que le jeu il est vachement mou quoi. Déjà que c'était hyper rapide, on pouvait faire des enchaînements de coups rapidement et là c'est hyper. Mou. Je pense que les ennemis qui. En arrivant, ils symbolisent bien le jeu. Non, mais ça aussi, ouais. Enfin voilà, ils arrivent à illustrer le jeu. Et donc en fait, les phases de vaisseau, ça va être juste des. Oh, vous allez devoir tirer sur des ennemis. Oh, vous allez devoir faire des courses. Ouh, c'est ça, oh, quoi, vous allez. C'est ça. Bah, vous avez des. Alors, on peut tirer, loquer un ennemi et tirer dessus. Et non. Alors, les phases en vaisseau, ça sert juste à nous faire ralentir dans le scénario. D'accord. Et elles sont chiantes et elles ne servent à rien. Vous avez également des missions supplémentaires en vaisseau, c'est-à-dire. Faire une course avec Mister, le meilleur pilote de la galaxie du monde. C'est quand même pas mal. Ou alors plusieurs, pas, enfin, des courses à 8. Et enfin, voilà, c'est hyper mal géré parce que. Mais le jeu rapidement. Peut être sauvé grâce à un point positif qui est. Eh ben, on en a pas trouvé. Si le mec soit un dragon d'accès. Voilà, et peut-être au niveau de la musique quand même, enfin au niveau de la musique elle est quand même pas mal, même si c'est quand même assez répétitif. On retrouve d'anciens thèmes ? Non. On retrouve même pas un thème propre à Jack and Daxter, vous allez même pas retrouver celui de Jack 1, alors que pourtant il se rapproche plus de Jack 1. Il me semble qu'ici c'était un endroit où on pouvait marcher. Dans les tout premiers screenshots qui ont été révélés du jeu. Vous pouvez marcher ici, bah là on peut pas. Donc voilà, il y a plein de trucs qui ont été retirés du jeu dans la version finale. Et c'était pas suffisamment bien apparemment. Comme voilà, apparemment. Ça c'est dire. Sinon, le scénario c'est quoi pourquoi ils osent dire. Bah alors en fait, Kera a envie d'acquérir de. Alors, est sur une formation pour devenir sage de l'éco verte. Et donc, évidemment, elle part en espèce de, voyage formateur, ouais, initiatique, et durant lequel elle va pouvoir rien découvrir d'ailleurs. Super. Mis à part qu'elle peut créer de nouvelles couleurs d'écho, et mais sinon, enfin voilà, le scénario, voilà la fin. C'est quoi la bordure, la frontière, etc. Bah, ils arrivent, enfin voilà, c'est du genre, ils se baladent sur. Ils se baladent tranquillement, ils rencontrent des pirates, et puis, oh bah ça alors, on est au bout du monde, bah qu'est-ce qu'on va faire ? Et voilà, ils arrivent au bout du monde, et voilà, ici vous avez le bout du monde, avec rien ici, mis à part des grosses cascades, mais bon, enfin voilà, c'est quand même, c'est moyen quoi. C'est de l'eau ça ? C'est de l'eau, oui. C'est pas de la vase bleue, mais pas loin. Sinon, qu'est-ce qu'on. Pour gameplay, vu qu'on va montrer Dark Daxter, c'est comment ?
Bah, Dark Dexter, c'est. Enfin... Waouh! Vas-y, refais! Ouais! Ah, on peut aussi faire des loopings. Hein. Ouais, à deux alors. Au niveau du gameplay, c'est comment? Enfin, alors, au niveau du gameplay avec Dark Dexter, vous allez pouvoir. Bah, c'est, en fait, c'est du bourrinage. Vous aurez de légers puzzles où vous allez faire bouger des plaques pour activer, désactiver des circuits. Donc, rien de bien intéressant. Ouais. Donc, voilà. Moi, ce jeu, honnêtement, je l'ai fait. J'y ai joué dans mon, sur mon temps libre. Je me suis pas tellement attardé dessus. Une fois t'as que mis j'ai... combien de temps? Il me semble que j'ai mis peut-être. Enfin, le jeu est quand même assez court dans l'ensemble. Il me semble qu'il doit être à peu près à 7 heures de jeu. Donc. Super! Est... Bon, au moins, ça fait que 7 heures de torture. C'est... Voilà. C'est 7 heures. C'est pas 7 heures dans la douleur, c'est 7 heures dans la douleur. Donc, bon, faut quand même le noter. Quoi. C'est pas 7 heures dans la douleur, c'est 7 heures dans la douleur. Ouais. 7 heures de plaisir. 7 heures, non, dans le bonheur, j'ai dit. Ah. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Oh. Sinon, est-ce que au moins. Un boss je veux dire, une mise en scène spéciale, quelque chose qui pourrait relever un peu le niveau. Non. Je crois qu'il n'y a rien de sur. Bon, bah on peut lui mettre 2 sur 20 alors, hein, parce que s'il n'y a rien de bien. En fait, le. Mais même pas, ça peut être Jack O'Naxer parce qu'il n'y a rien de. Voilà, en fait. Si, il y a l'écho. Il y a des trucs, mais en fait, c'est un jeu totalement différent de tous les esprits qu'il y a eu avant et c'est n'importe quoi. C'est quoi cette tête de. Vous avez aussi. Alors, ce qui est à signaler, c'est que déjà, vous avez tellement peu de checkpoints que vous avez des phases de combat durant lesquelles vous allez vous arracher les cheveux parce que vous avez genre. Plus de munitions. Non mais ouais. Déjà vous avez plus de munitions. Enfin déjà il y a des phases de combat où vous allez juste battre des ennemis, ce qui est très intéressant. Ouais. Vous allez juste vous contenter de battre des ennemis et sans armes et ou sinon vous avez aussi des phases avec des armes. Mais vous avez tellement peu de checkpoints que vous n'allez pas avoir des checkpoints au milieu du combat donc et sachant que vous allez mourir assez rapidement. C'est... Ça c'était de la mise en scène. Bon, après ça c'est comme dans tous les Jack donc ça me choque pas ça. C'est quand même ouais pas mais dans les que... autres Jack tu récupérais tes munitions. Oui ça va être des ennemis en mourant de les munitions. Voilà donc voilà vous avez pas de checkpoint, vous allez recommencer un nombre incommensurable de fois certaines missions parce que les checkpoints bah, ils sont. En plus, parce que mais voilà rien, et enfin le jeu il est enfin voilà c'est un jeu où vous allez vous arracher les cheveux en puis, permanence. Ça a pas l'air d'être fun. Enfin voilà, et puis même au niveau des décors, voilà, je vais juste souligner le fait que les décors sont vides, plats, non, regarde, et c'est du couloir, enfin voilà. La couleur de champ est horrible. Moi je sais pas. Que je donc je pense qu'on va. Un Jack, je crois non, mais enfin. Donc on va, je crois qu'on va conclure sur une note. Ouais. Je crois qu'on peut être sévère. Parce que là, ouais, on peut vraiment être sévère. Donc je pense que 4. Non, franchement, objectivement, je peux lui mettre facilement un 8. Un 8 sur 20 parce que ce n'est pas un bon jeu, ce n'est pas enfin c'est pas un jeu. Ah bah non, à 8 sur 20 c'est pas un sur bon lequel jeu. Sur lequel vous allez vous vous amuser parce que le minimum d'un jeu c'est qu'il soit amusant qu'il y a un truc accroche, quoi. Et qu'il y ait quelque chose qui l'accroche. Or le scénario va pas du tout vous accrocher quoi. Il est plat, enfin il est plat au possible et voilà enfin. Vas-y, essaye de passer. Je pense que ouais, bien joué. En plus on peut être sévère par rapport au fait qu'il a détruit Jack O'Naxer et que c'est une déception immense, on peut même enlever un point moins encore. Donc je pense qu'on peut non, on peut pas. Il y a les murs invisibles un petit peu partout donc ouais, donc on peut lui mettre facilement ouais, peut-être un 7 hein, à la limite. En étant gentil. En étant gentil parce que franchement ce jeu ne le vaut pas. Tous les points qui caractérisent un jeu bien réalisé ne sont pas respectés. Donc voilà. Non, on vous alors là, comme vous pouvez le voir, il y avait un seul ennemi et depuis tout à l'heure, bah, je tourne en rond à cause de cet ennemi. Donc c'est génial. Merci. Ouais, merci Popo. Voilà. Voilà. C'est qu'en plus, il était caché. Il était caché en plus. Donc du coup, c'était inutilement chiant. Il était en train de s'avancer dans le vaisseau, tu sais, il était bloqué. Non mais voilà. Enfin, toutes les phases de gameplay sont absolument. Non mais toutes les phases de gameplay sont absolument ennuyeuses et chiantes. Non, ça voilà, a l'air rien à... Arrête. Bon, c'est pas comme à... ça, c'est notre vidéo test qui sera long et chiant, alors on va... Ouais, ça on va arrêter là. Hein et je pense que vous avez été content de nous voir clasher un jeu. Pour une fois. Vous nous l'aviez demandé depuis Prince of Persia Classic. Bah voilà, c'est fait. Et encore, heureusement que j'étais pas là pour PlayStation Movie Rose. Bref, on vous dit à plus. Tout à fait. Et à la prochaine. Sur Autopilote, là. Recherchez-nous sur Facebook, on est sur YouTube, comme vous regardez la vidéo. Bref, ciao!